Celsius is a clear winner in the space. C'était un moment de célébration pour Celsius Network. En octobre 2021, la Caisse de dépôt et placement du Québec annonçait avoir misé plus d'une centaine de millions de dollars sur la compagnie qui offre des services de prêt en crypto-monnaie. Celsius se veut une solution de rechange aux banques conventionnelles. Comme dans un compte épargne, les clients peuvent y déposer leur crypto-monnaie et obtenir un rendement sur leur dépôt. Ils peuvent aussi emprunter des crypto-monnaies. Think if you could basically do everything you wanted with your money and not having to pay anything for it. That's a promise of crypto and that is the promise of the blockchain. Pour la CDPQ, ce partenaire représentait l'avenir du monde financier. La technologie des chaînes de blocs présente un potentiel perturbateur pour plusieurs secteurs de l'économie traditionnelle, écrivait alors Alexandre Sinette, premier vice-président et chef des technologies de la CDPQ. Mais ce potentiel perturbateur fait sourciller plusieurs experts du domaine, qui jugent que certaines activités de la compagnie sont très risquées. Celsius pools funds and lends them out, and it doesn't disclose to whom it's lending them or what the criteria are or what the collateral pledged is. In some cases, we know now there's no collateral on loans they've made to corporations, and there's no insurance, there's no guarantees, and there's no central bank backing. Autrement dit, les clients de Celsius prennent le risque de tout perdre. Et lors du krach du 11 mai, où 200 milliards de dollars se sont évaporés du monde de la crypto, c'est exactement ce que plusieurs utilisateurs de Celsius disent avoir vécu. Sur les réseaux sociaux, ils écrivaient que la crypto qu'ils avaient déposée chez Celsius pour obtenir des prêts avait été liquidée. La méthode Celsius inquiète nos voisins du Sud. Dans la dernière année, 5 États américains ont envoyé des mises en garde à l'entreprise, l'assommant de cesser des activités jugées comme étant illégales. Certains de ces avis précèdent l'investissement de la CDPQ. When we're talking about taking back power, it's really not even from the government. It's really from corporations that dominate our lives. Celsius conteste le bien fondé de ces avis, mais a cessé d'offrir aux Américains certains services. En mars 2022, le Département du travail des États-Unis a publié un avis déconseillant fortement aux fonds de retraite américains d'investir dans l'univers des crypto-monnaies. Au Canada, les autorités ont peu à dire sur leur surveillance de ce milieu. Pourtant, le ministère fédéral des Finances nous confirme qu'en général, ce type d'entreprise non enregistrée agit dans l'illégalité. C'est le cas de Celsius, qui offre ses services financiers aux Canadiens sans être inscrite auprès des autorités financières du pays. Dans un courriel, une porte-parole de la CDPQ nous a écrit que les investissements de la Caisse font l'objet d'un processus d'analyse rigoureux. Elle ajoute que Celsius est favorable à la réglementation et que la CDPQ compte avoir une influence positive sur ce processus. Le PDG de Celsius, de son côté, nous a écrit que la société collabore avec les autorités afin de rendre l'entreprise conforme aux exigences des régulateurs. Brigitte Noël, Radio-Canada, Montréal.